Salut à tous, ici Mister Wouwou. Comment allez-vous les amis? Moi ça va bien. Donc nous allons continuer le let's play sur ce jeu là qui est vraiment génial et qui est vraiment très bien. Donc veuillez m'excuser, je vérifie d'abord toujours si tout fonctionne bien, tout est correct. Donc par exemple le jeu, ma voix voilà. Oui, ma voix, on l'entend bien, donc c'est bon. Donc ça devrait être correct. Donc on va y aller. Donc le but, c'est comme d'habitude, hein, vous le connaissez. C'est... Voilà. Donc maintenant, donc on était là. Donc on va tout simplement continuer jusqu'à 100 ou etc. 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 Veuillez m'excuser pour la gêne occasionnée parce que le son, ben, je veux dire, j'avais laissé le haut-parleur en route. En fait, quand moi je joue, j'ai oublié de mettre mon truc, quoi. Enfin, non, en fait, je joue sans haut-parleur forcément parce que j'ai pas de casque. Donc, je joue d'une autre manière. Mais ça va, ça peut ficher la trouille quand même. Non, c'est juste qu'il faut éviter, je peux pas trop, mais quand je mets un casque, en fait, ce qui se passe, c'est que je m'entends pas parler, je parle trop fort, donc je sais pas du tout gérer un casque et en même temps, donc je suis obligé, moi, de jouer avec un haut-parleur sur le côté parce que ça m'empêche de jouer correctement, tout simplement. Enfin, peu importe. Donc, on est de retour sur Spooky House, comme vous voyez, et ce jeu est trop cool. Une chaise tout seul, c'est trop cool. Je me prends un mur, c'est trop cool. En tout cas, c'est un bon jeu. Je sais pas combien de temps on va prendre. D'accord. Donc, comme vous avez vu, j'ai une espèce de chose qui me suit. J'ai eu un peu peur quand même. Eh hey, j'ai beau. J'ose pas regarder derrière moi. Au secours, au secours. Un wouhou attaqué. Vite. Une truc va attaquer. Oui, c'est ça, reste bien. Oh. Bien sûr, quand tu te prends dans les remords, c'est pas cool. Bonjour. Le mec, tu sais, il sait qu'il va se faire déglinguer par ce monstre, mais il lui dit bonjour. Bonjour le monstre. Comment vas-tu? As-tu bien dormi ce soir? Encore? Je vais mourir. J'aime bien le coup, j'ai appris pourtant, hein, mais le truc il arrive malgré tout à ne pas démarrer, tu sais, pour bien que je me fasse encaler. Voilà, génial, trop cool. On va mourir, c'est trop cool. Alors, on rentre. Ouais, trop bien, on a
avance, on avance. Normalement, ici, dans quelques jours, j'en sais rien. J'ai prévu de faire. Oh, que c'est mignon! Avec ce bruit complètement blanté! Dans quelques jours, quelques heures ou quoi, ben on va. Je vais faire une vidéo avec un pote, si lui décide de le faire, parce que je sais pas trop s'il va vouloir vraiment le faire, mais bon, voilà. Donc, du coup, c'est intéressant. Ah, c'est bon, elle nous suit plus. Ouf. Oh là là, j'ai eu très peur. Putain, laisse-moi avancer ça. Bon, c'est bien, on peut pas tomber. Allez. Fais quoi moi? Ah, c'est bon. Je crois. Ouais, c'est bon. Ça va, on s'en sort bien. On s'en sort bien. Bon, après, je parle pas beaucoup, mais c'est en même temps, je suis pas un let's player professionnel, donc je ne sais pas trop quoi dire en fait. Et j'en suis navré. Mais en tout cas, on s'en sort bien, on s'en sort bien. Le but, c'est d'aller vraiment très loin. Comme d'habitude, je vais mettre ma petite truffe compagnie pour occuper le cerveau. Pour qu'on voit un petit wou tout mignonneté, ce qui aide aussi si les gens sont heureux. Vous avez un wou security avec vous. Elle sera mise en dessous vers la gauche, si je me trompe pas. Non, à la droite. En dessous vers la droite, comme d'hab. Un petit wou avec un joli chapeau de paille. C'est un wou gardien. Il vous protège. Vous, mes abonnés. Oh. D'accord. Ah oui, j'ai tué le Pac-Man, je pense, c'est ça. Hein. Ah bah dis donc. Ah ok. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais pas quitter moi. Je voulais pas rentrer dedans. Bon bah tant pis, on va attendre le Pac-Man qui va arriver. Par contre il est pas très efficace ce Pac-Man. Non, on va aller le tuer nous-mêmes. Ça me fait casser pied de faire deux fois le même truc. Allez, viens mourir toi. Allez, meurs. Voilà, bon, maintenant on recule. Voilà, on va faire celui-là. Ah. D'accord. Et on tue tout le monde. Allez, on récupère des gens. Merde, il fallait bouger dans la fleuve. Allez, mourez bande d'êtres humains. Oh, vous servez à rien. Les wouhous sont mieux. Ouais, les wouhous sont les meilleurs. Mourez tous. Vous servez à rien. Vous êtes moches. Les wouhous sont les meilleurs. Oh bah ça va, hein, je me suis bien débrouillé. Spooky, 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 spooky. Anternam. Ouh. Ah, attends.
non pas S, enculé. LOL. Je marque Mister Wu, mais malgré tout, le truc il veut pas. Non, tu ne mettras pas ton nom, c'est moi qui vais tout prendre, la gloire. S'en bat les couilles de toi. Va-t'en. Et bien sûr, il y a une borne qui ne fonctionne pas, mais oui. Dis Spooky, t'as pas terminé ton développement de jeu. Oh, je suis marrant. Abonnez-vous. Vraiment, je suis d'une qualité. Loul. Bon, on va continuer. Oula. Ce que je pourrais tenter, du coup, c'est pas un ouhou, mais un chat. C'est une sorte de chat comme celui de Loupoc. L'idée, le délire, en fait, c'est de mettre un chat, en fait, allez. En bref, comme je veux pas mettre ma tête pour l'instant parce que j'ose pas, j'ai déjà fait plusieurs fois, mais j'ai supprimé par panique et tout ça. Ce que je peux faire éventuellement, c'est de filmer plutôt mon chat à la place de moi. Et du coup, je fais plusieurs séquences que mon chat et le petit chat en plus que j'ai. C'est pas le même que Loupoc, c'est un de AliExpress, moi. Mais c'est un peu le même truc, c'est un ça change. Un ça change aussi. Ah, trop stylé. Et en fait, si vous voulez, du coup, c'est un de AliExpress. Et il s'appelle K.O. Pas Q. K-H-A-O. Donc K.O. Et du coup, c'est K.O. 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 Vous voyez, c'est comme ça qu'il parle le mien. Et pas Squeezie Cuzy. K.O. K.O. Voilà. Donc du coup, je pourrais mettre. Ah! Non! J'ai appuyé sur n'importe quoi! Windows, je vais t'encaler! Ta mère avec. Donc je vais pouvoir faire ça. Et je pense que ça peut être intéressant éventuellement. Et ce qui est bien, c'est que je suis pas obligé de faire ça directement. Ça pourrait être plusieurs scènes et tout ça avec le chat. Donc ici nous avons des trucs bizarres. Et en fait derrière, je reconfig derrière en fait avec les scènes. Donc moi je pars normalement tout ça et vous aurez le chat. Pourquoi je peux pas. Ah, c'est peut-être pas là. Vous aurez le chat sur le côté en bas qui vous tiendra compagnie en même temps et qui fera n'importe quoi, qui sera choqué, qui fera comme si c'est lui qui joue. Des trucs comme ça. Ça pourrait être drôle. Je pense que je vais l'imprégner dedans parce que ça peut être marrant à faire. Vraiment, sincèrement. Et vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut pour filmer mon chat. J'ai une Canon des grillas. HD là qui peut faire jusqu'à 2080 25 fps par contre. Et au niveau de configuration que j'ai fait, ben ça va pas mal. Par contre là j'ai un stud parce que je suis bloqué en fait. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est là que j'aurais dû passer? Je suis bloqué à cette room. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas avancer? Ah, attends, j'ai appuyé sur X, pas sur espace, c'est pour ça. Yes. Allez, on va faire jusqu'à la 150 du coup, comme promis. On va pas s'arrêter là, hein. Ouais, je trouve cette idée super sympa. Sincèrement, je vais l'implémenter. Donc cette vidéo-là aura le chacha avec. Ça peut être pas mal. Je vais vraiment l'éclairer et le faire plusieurs scènes et tout ça. Ça va être marrant. Normalement, vous devrez la voir. Du coup, au moment où je dirais que je vais mettre, il apparaîtra. Ce serait une bonne idée ça de le faire apparaître juste au moment où je dis que. Et il sera effrayé, il sera choqué, il y aura plusieurs. Je pense que c'est une bonne idée. C'est très très intéressant comme concept, c'est d'utiliser une peluche toute mignonne comme. C'est vraiment pour le fun et moi ça m'amuse. Après j'ai aussi Fast Rig, mais.
un peu la flemme. Et comme j'ai pas un bon PC, ça vaut mieux pas. C'est fermé. Du coup, petit KO, tu es là. Hein? Tu surveilles, tu regardes là. D'accord. Ah, je suis en prison. Trop cool. Ouais, ça peut être intéressant à faire. On va trouver des concepts intéressants que aucun youtubeur a fait, hein, parce que c'est bien, eux ils font des trucs sympas, mais moi je vais faire ma propre sauce. Donc du coup j'aurai un wouwou et un KO, c'est parfait ça. Et plus tard je vais acheter un fond d'écran vert, plus un haveur média bien sûr, pour pouvoir jouer à Animal Crossing avec vous. Enfin, avec vous et tout seul aussi, hein, mais voilà. Du coup je pourrais filmer mes parties sur ma Nintendo Switch. Tout ça c'est prévu en tout cas. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater dans les mois suivants à venir des vidéos sur Animal Crossing, sur Okami ou Minecraft. Minecraft Java, mais bien sûr. Bon, par contre, ce sera du 480 30 FPS, mais bon, je peux rien faire, j'ai pas un bon PC. Mais en tout cas, tout ça est prévu. Ici, j'ai prévu d'aller tenter d'aller de retour sur Palladium, mais il faut voir. Il faut voir si ça rame pas trop, parce qu'en fait, le problème, c'est que du moment où il y a trop d'entités sur un serveur, donc du coup, de joueurs, ça fait que je descends à 10 FPS, même si j'ai fait habituellement en solo, je suis à 25-30 FPS. Donc du coup, ça casse tout l'intérêt de faire une vidéo. Et oui, c'est ça, avoir un PC qui est. C'est ça, quoi. Il faudrait que je réduise la résolution encore plus bas. Ce qu'on peut faire, hein, mais à ce moment-là, il faudra descendre la taille de l'image pour que ça soit compréhensible. On mettra des trucs mignons. On va tenter vraiment de faire le plus nécessaire pour que je puisse vous faire vraiment des vidéos sur tout et n'importe quoi. Je vais créer un deuxième truc de résolution beaucoup encore plus fade que celle que j'ai. Mais vous inquiétez pas, la taille sera automatiquement mise comme elle sera. Après, on va pas, il faudra mettre ça en plein écran à ce moment-là parce que sinon ce sera pas ouf. On va dire que ce sera comme un petit jeu rétro, vous voyez, vous aurez une taille pas ouf. Mais à ce moment-là, justement, il faut mettre le jeu en plein écran. Et on mettra d'autres choses en arrière. On va trouver des moyens. C'est ça la technique quand on n'a pas un bon PC. Bah, il faut trouver d'autres techniques. Et c'est ça la technique. Oui, j'ai des tocs. D'accord. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais ok. Pour moi, c'est une bouillie de pixels. Le mec qui vous montre bien, tu sais. Loqué. Ceci est fermé. Est-ce que c'est par là? Yes. Oula, du sang. Pas bon signe ça. Oui, pour ceux qui savent pas, je ne lis pas l'anglais parce que je sais pas du tout parler anglais. Donc je ne parle pas du tout. Je ne lis pas. Ça c'est pas bon signe par contre. Ah non, ça va, c'est juste que le sol est inversé. On s'en fout de ça. Ça fait pas peur. Oula, ça c'est pas bon signe ce bruit-là. On va se dépêcher. C'est pas bon signe. J'ai entendu un bruit bizarre. À moins que c'est mon ventre, quoi, parce que j'ai. Non, non, j'ai déjà mangé. Les gens, il y a des bruits bizarres. Non, je me bloque! En plus, il y a ceux, je prends même pas le bon chemin. Donc, du coup, je vais devoir tout recommencer. Et oui, c'est ça. Si ça peut, il n'y a rien du tout, en fait. Hein, mais. Où il y a un bazar invisible qui vous retire des vies en fait quand donc une sorte de petit truc qui avance vers vous et qui est invisible. Un script pour vous retirer des vies en fait si vous restez sur place trop longtemps. C'est possible aussi.
Oui, le mec qui casse tout l'intérêt d'un jeu d'un. Bonjour toi. On va tester des. Ça me rappelle quelque chose quand même. Ne serait-ce pas du recyclage? Je pense que si. Désolé. Attention, il y a le wouwou virus. Non, je connais. Non, non, j'ai rien dit, petit wouwou, j'ai rien dit. Il est très subtil. Ses cibles. Ou un truc comme ça. Voilà. Dieu est parmi nous. On est au paradis, là. Cool. On va aller doucement parce qu'on va pas s'en sortir. Ok, c'est pas ça. Donc, une fois avant. Il y a des petites énigmes, faut pas croire. Hein. Non, ce jeu est bien. Regardez, il y a un truc au-dessus. Ah, c'est bien codé. Attends une minute. Ah non, en fait. Oh, il y a rien. En fait, c'est juste des trucs qui ont pas de sens. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut pas vraiment y accéder, à moins qu'on ait en fantôme. Serait-ce une sorte de d'indice de ce qu'on pourrait être plus tard? Intéressant. Je ne sais point. Le mec qui voit des indices dans des endroits qu'il n'en a pas, tu sais. C'est un indice. Ce sera peut-être un fantôme plus tard. Et on pourra se promener comme dans la seconde live. Voilà une vue. Encore ce truc? Oui, je suis concentré. Bizarre. Ah, voilà. Le mec tellement concentré, tu sais que il fait plus de bruit. Donc en bref, c'est toujours les mêmes jeux, ok. Oula.
Ça, c'est un mur. C'est pour ça que ça peut être intéressant de mettre un petit personnage mignon, enfin, toutes des choses comme ça pour vraiment occuper et. Encore? On arrive bientôt à la dernière salle, les gens. Attention. Yeah. Ben voilà, c'est ici qu'on va se quitter. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et j'espère que ce concept avec le petit chaos à côté, si au cas où il est mis, normalement il sera mis, vous aura plu et je vous dis à bientôt. C'était Mister Wouhou et du coup, et chaos. Bye bye. Et portez-vous bien.